Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons jouer avec un personnage de BD absolument mythique. Alors, deux indices, même si je crois que vous avez légèrement deviné qui c'était, mais bon. Il s'agit d'un personnage belge et homosexuel. Ah, attendez, on me dit dans mon oreillette que... Non, j'ai fait une erreur, une grossière erreur, je suis désolé. Non, en fait, il serait plus précisément, pas belge, mais bruxellois. Oui, la précision, c'est important. Bon, évidemment, vous l'aurez reconnu, hein, Tintin, hein. Voilà, bon, je sais pas quel indice vous l'a fait deviner, mais bon, bravo à vous. Le jeu auquel nous allons jouer aujourd'hui est Tintin et le Temple du Soleil, sorti sur Super Nintendo, hein. C'est dur à dire sur Super Nintendo, donc. Aussi sur PC et même Game Boy. Et il a été développé par Infogrames, dont la réputation n'est plus à faire, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, ni à tester. Donc si vous voulez voir Tintin ridicule, Tintin stupide, Tintin débile, Tintin qui n'aime pas les gens, oui, parce que Tintin meurt en touchant des gens, oui, ça marche comme ça, il aime bien Milou, il aime bien le capitaine Haddock, mais les gens, ils les aiment pas, hein, voilà, ça doit être ça, je sais pas. Bref, si vous voulez voir Tintin mourir stupidement, hein, bah, cette vidéo est pour vous, hein. Je vais vous laisser découvrir la magie de ce jeu. Allez, c'est parti! Tintin, le Temple du Soleil, Moulinsart. Oui, alors en français, ce serait mieux. Infogrames, comme nous l'avions dit. Oh, c'est cool. Allez, hein. C'est comme la pochette de la BD, hein. C'est marrant, c'est sympa. Au cœur du Pérou, l'expédition Sandersam. Vous pouvez écrire mieux, là, on n'arrive pas à lire. Raskar Kapak, celui qui déchaîne la foudre. Ok, donc voilà, la malédiction. Ça suit exactement le même script que la bande dessinée, tant mieux d'ailleurs. Cartonneau est victime d'un attentat, je vais avertir le professeur Hornet. Ok, bah vas-y. Ok, bon, on peut aller que par là. Alors, là on peut sauter, très bien. Alors, il faut éviter les gens, parce que Tintin est... Voilà, on peut courir comme ça. Parce que Tintin et je sais pas, il n'aime pas les gens. Oula. Et comment je fais là? Voilà, c'est bon. Voilà. Ah oui, il faut aussi éviter. Eh merde. Le mec il se prend un hochet, c'est le bordel quoi. Ah, c'était pas un hochet, c'est. Ah putain. Je sais même plus comment ça s'appelle. Ok. Ah non, je crois que le radiateur était aussi un obstacle, mais non. Voilà, on fait gaffe. On évite le gardien. Non mais sérieux quoi. Voilà une petite... C'est même pas une vie en plus, c'est juste de l'énergie. Ok. Oula. C'est un peu sombre ici. Allez allume, allume. Comment on allume? Voilà. Ok. Alors ça en marche, ça je parlais que ça défonce, voilà. Alors... Comment on monte? Bah vas-y. Oh couillon là, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Ah putain, ça y est, il fait noir, super. Attendez, mais je crois que j'arrive pas... Ah voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est. Oui, bah maintenant il fait noir, donc faut repartir par là-bas, allumer. Super, on a que ça à faire. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors saute par-dessus ça, s'il te plaît. Là, eh merde. Oui, bon, c'est juste moi qui fais bordel, hein. Oui, bah... Mec... Attention, c'est bon. Allez, c'est reparti pour un tour. Non mais mec, quoi, tu dois juste aller prévenir le gars. Et là, tu perds du temps. Eh hey, merde. Bah, en même temps, la dernière fois, c'était un coup de chance. Hein. Allez, on court. Allez, dégage-toi, putain. Allez. Allez, va plus vite. On n'a pas que ça à faire. Y a des gens qui meurent, là. Hein. Pourquoi c'est Tintin qui doit s'en charger? C'est juste un journaliste, hein. Alors... Vas-y, allume. Voilà. Allez, on fait... J'ai à dire, on fait gaffe. Ok, alors... Oh putain, bon, je crois que les caisses sont quand même un truc. On peut pas sauter avec. Quoi ça sert? Ouais, là... J'essaie de... Mais, dépose! Oh, la combe de toit, là! Ouais, ça traverse les trucs aussi, hein. Ah, super, il fait noir. C'est génial. On y voit que dalle. Bon, à mon avis, j'ai pas... Ouais.
Oui, il peut les poser, mais d'accord. Ouais, en fait, à mon avis, voilà, ça sert pour monter. Voilà. Ouais. Eh merde. Non, mais il faut... Ah, je peux pas deviner non plus. Hein. Mais il faut que j'apprenne. C'est pas leur faute, c'est moi. Hein. C'est moi qui ai un petit problème. Oui, c'est bon, on a compris. Victime d'un attentat. Alors, troisième tentative. Super. Dégagez-vous. Putain, allez. Ce musée est très intéressant, quand même. Oh, putain. J'aime bien les gens en premier plan. Hein. C'est les mêmes à chaque fois. Bon, remarquez, même ceux au deuxième plan sont les mêmes. Mais... Putain, merde, oui, ben ça va. Game over, voilà, super, c'est génial. Putain, j'ai même pas le temps de parler, comme ça, de regarder autour. Ils ont fait du décor, ça doit bien servir à quelque chose, non? Putain. Allez, allume. Voilà, petit. Et merde. Ok, donc maintenant. Non, parce que j'ai compris. On fait ça, on saute, parfait. Voilà, t'as que ça à faire en fait, le mec est en... Ah putain, ouais c'est bon. Voilà. Et on s'en fout hein, de rallumer. Savez-vous, regardez la tête qu'il a l'autre. Je sais pas, il doit être un peu constipé, non? Ouais, je crois. Bon, allez. Oh non, c'est reparti pour un tour. Quoi? Mais comment ça? Eh hey merde, putain! Eh ben on va tout refaire, hein! Parce que c'est un plaisir de refaire à chaque fois les mêmes choses! Ok, il est au fond du couloir, c'est bon, merci! Alors. Non, on va faire gaffe, voilà! Parce qu'en fait j'étais mal placé, hein! J'étais pas totalement au fond. Ok. On peut y aller quand là? Bonjour monsieur. Le balayeur qui bouge pas, bien immobile. Il sert à rien, quoi. Hop là, ça c'est fait. Au bout du couloir, bah là, peut-être. Peut-être son bureau, puisque toutes les portes se ressemblent. Et aussi endormi. Eh ouais, il est endormi. Ouais, je dois faire quoi? Ça y est, il est endormi, on s'en fout. Bon bah, on s'en bat les couilles, hein. Voilà, à l'aise, tranquille, hein. On se barre. Non? Qu'est-ce qu'on doit faire? On repart en arrière? Ça sert à quoi? Hop là, le balayeur, qui fait très bien son travail. C'est un jeu très réaliste, hein. Ah, d'accord, il est plus constipé, ça y est. Quoi, Ornette aussi, je dois avertir le professeur Bergamote. Mais ça va, je vais pas tous les avertir. Putain, ça va quoi? Ok, on passe par là, parce qu'ils nous ont bloqué la porte. Allez, putain, on est marre. Ok, bon, ça va être par là, il doit être là, Bergamote, hein. Enfin, j'espère. Oh là, Kung Fu Fighting. Putain, le professeur Tournesol, il est au bout du rouleau. Mon cher Bergamote, je te présente deux de mes amis. Messieurs, soyez les bienvenus. Greux. Ok. Ah, le mec, ça le fait rire. C'est la momie de Raskarkapak qui effraie votre chien. Bon, c'est surtout ta gueule, en fait, qui l'effraie, vu... Putain, la tronche, quoi. Ouais, des milliers de lunes, machin. Oui, c'est exactement ce qu'il y a dans la BD. Bon, c'est très bien fait, hein. Franchement, le jeu est très bien, hein. J'ai pas critiqué ça, hein. Crac. Ou rat. Entre deux éclairs, comme on veut. Oula! Ah oui, donc la fameuse scène de la boule de feu. Ok, bref. On va pas sur... Ah, putain, je dis ça, je me fais toucher. Oula, bougez-vous, tournesol, là! Voilà, merci! C'est bien, je lui dis, il se déplace. Bon, bah, on va rester là, hein. C'est mieux, parce que j'ai plus de vie. Allez, ah, putain! Eh ben, j'aurais dû rester, voilà. C'est cool. 5% du jeu effectué. Bon bah écoutez, sur cette magnifique musique, on va... Stop, voilà, c'est bon, bah, le jeu est très bien, mais c'est bon, hein, ça va, les premiers niveaux, j'en ai un peu marre de les refaire tout le temps, hein, voilà. Ah oui, non, mais ne cherchez pas, la solution n'est pas dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, et même sur Google+, hein, si vous voulez. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, abonnez-vous. Oui, normalement, il y a un truc qui est censé apparaître, là. Voilà, c'est mieux. Abonnez-vous sur la chaîne si vous voulez voir plus de Rétrovirus et même d'autres jeux rétro. Bon, pour la petite blague, j'hésite entre faire une blague sur les Belges ou sur les gays. Bah, le plus approprié, je crois, là, c'est sur les gays. Vous savez quel est le comble pour un gay? D'être triste. Ah, vous l'avez pas senti venir, celle-là, hein? Vous avez vu, elle est... Waouh.